C'est marrant parce que voyager dans le monde entier depuis 25 ans, je réalise que la plupart des gens ne voient absolument pas du tout leurs forces, leurs talents, leurs avantages, leurs atouts. Que ce soit d'ailleurs dans leur carrière, dans leurs affaires, dans leur business, qu'ils soient employés, étudiants, papa-maman à la maison ou solopreneurs ou petites entreprises, c'est exactement la même chose, ils voient les talents chez les autres et pas chez eux. Ça veut dire que 97% des gens, grosso modo, perdent beaucoup de temps tous les jours, toutes les semaines, toute l'année, du temps dans des idées qui sont inutiles, des rencontres toxiques. Ils sont obligés ou à utiliser des idées, des stratégies qui ne fonctionnent pas. Et le résultat de tout ça, c'est que la plupart des gens doutent d'eux-mêmes à la fin de la journée, de la semaine, du mois. Et c'est vraiment ça le problème, le résultat. C'est qu'ils ont du mal à rester en santé, à enrichir leurs relations, et ils ont du mal aussi à payer leurs factures. 50%, écoutez bien, 50% des petites entreprises, auto-entrepreneurs, solopreneurs, 50% vont fermer leurs portes, faire faillite, abandonner, jeter l'éponge en moins de 5 ans. 50% d'échecs en moins de 5 ans. Ce n'est pas une question d'expertise, d'intelligence, de savoir-faire. Ils sont très bons dans leur savoir-faire, mais ils ne savent pas faire savoir. Et tout commence par eux-mêmes. Pour deux principales raisons, en fait, si les gens n'arrivent pas à se vendre dans leur carrière, leurs affaires, c'est surtout parce qu'il y a l'ego et il y a la peur. On va reparler d'ailleurs de la peur du rejet. Mais d'une manière ou d'une autre, écoutez-moi bien, chaque livre, c'est marrant que j'ai écrit, chaque séminaire que j'enseigne dans le monde entier, chaque année principalement en Europe et ici en Amérique du Nord, à Montréal, toutes ces démarches ont pour principal objectif d'expliquer à nos participants, nos étudiants, de leur expliquer le mode d'emploi de leur cerveau. Ils savent utiliser une télécommande, ils savent utiliser leur téléphone, mais ils ne savent vraiment pas qui ils sont vraiment. C'est un cerveau, écoutez-moi bien, vieux de 2 millions d'années. Et notre cerveau, vieux de 2 millions d'années, a des réflexes très souvent et naturellement négatifs. Il est paramétré pour voir ce qui ne va pas, pas ce qui va bien. Et dans votre travail tous les jours, que vous soyez salarié ou une nouvelle fois entrepreneur, eh bien tout mon travail, toute ma contribution aux petites entreprises aussi, depuis 25 ans, c'est justement d'accompagner nos leaders et nos entrepreneurs et de livrer des stratégies les plus efficaces possibles pour réduire les décennies en quelques semaines pour permettre d'agir en fonction de quoi, à votre avis? En fonction de la peur. La peur humaine est universelle. On a tous peur. Il y a certains qui vont dire « moi, j'ai jamais peur » et d'autres qui vont dire « moi, j'ai toujours peur ». Mais la peur est réellement universelle. On a tous le même système nerveux central, tous. Mais ce que nous devons faire au quotidien, c'est valser, affronter, aller au-delà de nos peurs. En clair, transformer la peur en puissance. Quand tu as peur, tu restes figé, tu recules ou tu attaques. Et c'est tout l'enjeu, les amis, pour cette année. Dans votre carrière, affaires, vie privée, intime, en couple, vos enfants, vos amis, vos relations, dans tous les domaines de votre vie. Il y en a certains où vous réussissez très fortement et d'autres où c'est un peu plus compliqué. Et en tant que performeur, que leader 3%, vous savez, beaucoup de gens pensent que c'est impossible d'affronter les peurs. Ou d'autres, je vous le disais tout à l'heure, n'ont jamais peur. Et ceux qui disent « j'ai pas du tout peur » vont appeler ça plutôt le stress. Ils vont pas dire « j'ai peur », ils vont dire « j'ai du stress ». Mais si je vous suis dans cette direction, votre stress c'est quoi? Ben, le stress, si j'analyse petit à petit, on le voit durant nos événements, dans les coachings, le stress va amener directement, après cette capacité de gratter un peu en vous, vers la peur la plus profonde. Le stress, c'est le nouveau mot pour dire « j'ai peur ». Donc, si vous et moi, on peut simplement reconnaître que la peur est là, elle est présente, et que nous voulons affronter ça aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas bouger dans leur vie, qui veulent rester dans le statu quo. Ils sont juste bien, une petite vie, un petit couple, une petite sexualité, un petit salaire, tout est petit, mais c'est très bien. Mais vous devez comprendre que si vous reconnaissez votre peur ou le stress, vous allez réaliser que c'est ça qui vous empêche d'agir ou qui vous a empêché d'agir dans le passé. Et là, vous pouvez faire un changement, un switch, provoquer une étincelle et un profond changement. Notre travail chez Globe, c'est de changer des vies et on le voit tous les jours. Mais vous pouvez utiliser la peur comme levier d'action, pas comme retrait ou pour rester figé. Vous comprenez? Vous pouvez utiliser la peur
comme carburant pour vous aider à grandir, à aller plus loin. Et à partir du moment où vous avez utilisé la peur comme carburant, vous allez découpler vos résultats. Affaires, carrière, argent, santé, relations. Ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas nébuleux, c'est très cartésien. Avancez, avancez. Parce que rester à l'écart de ce que vous craignez, fuir vos peurs, vous mentir, même pire, rester dans le doute, ne va jamais, jamais vous amener à la croissance dans votre entreprise, dans votre carrière et dans votre vie privée. À partir du moment où vous apprenez que la peur existe, l'identifier, c'est donner un nouvel élan à votre vie professionnelle comme privée. Et une nouvelle fois, il y a plein de départements où vous êtes extrêmement heureux, heureuse dans votre corps, votre énergie, votre confiance en vous, votre leadership, vos finances personnelles. Mais il y a certains départements qui sont en souffrance et c'est la peur. Identifiez cela. Donc, si vous et moi, on regarde la vie qu'on a tous les jours, un peu comme des départements d'une entreprise, et que l'on croit vraiment que nous sommes ici pour, entre guillemets, changer le monde, notre famille, nos proches, nos clients, si on pense qu'on est ici sur cette planète pour croître, pour être dans l'expansion et pas la contraction, si vous voulez créer et vivre à 110% et pas reculer, et je forme des milliers de vendeurs chaque année, je peux vous le dire qu'ils sont dans la peur du rejet, du non. Si vous voulez faire ce chemin de croissance, vous devez faire face à vos pires peurs. À moins d'aller au-delà de ce que vous pensez pouvoir peut-être gérer physiquement, mentalement, mais je crois qu'on peut le faire, on peut tous le faire. Physiquement, mentalement, émotionnellement, on a tous cette propension, cette capacité de grandir. À moins une nouvelle fois que vous pensiez que vous êtes à 110% et que vous ne pourrez jamais plus progresser. Mais même si je veux être un petit peu ironique, si vous pensez que vous êtes à 110%, vous vous mentez aussi. Vous voyez, il y a une raison pour laquelle vous avez tous les résultats de votre vie aujourd'hui. En ce moment, tous ces résultats, il y a une explication. Vous êtes le fruit de vos décisions d'il y a une heure et d'il y a 6 mois, 1 an. Il y a une explication à vos résultats aujourd'hui. Et quel que soit votre passé, votre situation ou votre environnement, ou les gens qui vous entourent, ou votre salaire, ou votre ville, votre pays, quelle que soit la situation, blâmez une personne, un environnement, une circonstance ne fera jamais que renforcer votre situation à stagner. À partir du moment où vous tombez dans l'excuse, vous stagnez. C'est quoi une excuse? Une excuse, elle va vous aider dans l'instant. Elle va vous permettre de vous sentir bien dans l'instant. C'est une sorte d'échappatoire. Elle vous permet de vous sentir mieux dans l'instant pour fuir. Elle vous permet mieux de vous sentir mieux dans l'instant pour contourner le problème. Mais écoutez-moi bien, votre situation ne changera jamais si vous fuyez la problématique. Jamais. Même pire, elle va s'envenimer. En blâmant les autres, écoutez-moi bien, en blâmant les autres, en rejetant la faute sur votre gouvernement, les autres, la famille, les voisins, vous préservez votre identité, celle-là même qui a besoin d'être enrichie. Vous avez créé cette identité pourquoi? Votre histoire, vous l'avez créée pourquoi? Pour une seule raison, pour vous protéger de vos peurs, pour contourner vos peurs les plus profondes. Voilà pourquoi vous entretenez ce scénario, cette histoire que vous répétez en permanence. De quoi avez-vous peur vraiment? Trouvez cela seul, avec des amis, votre entourage, faites-vous aider ou venez dans nos événements comme le Weekend Spark ou Business 110, le Bootcamp pour les entrepreneurs. Mais et on le verra durant le Weekend Spark à Montréal et à Paris, mais quels que soient nos événements, quelle que soit la situation ou la façon d'y arriver, vous devez apprendre à vous libérer de ces chaînes mentales. Vous aurez beau apprendre comment investir en bourse, créer un site internet, faire ce métier, ça ne changera rien. Ne commencez peut-être pas par identifier comment vous allez affronter votre peur de l'échec, mais commencez peut-être par mieux vous connaître aujourd'hui, voir les blocages. Mais pour faire court, la peur de ne pas être assez, c'est souvent, vous allez réaliser, la peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être assez,
c'est la peur de ne pas être aimé. Et à l'origine, vous avez toujours l'une de ces peurs-là qui arrive dans l'un des départements de votre vie. Affaires, carrière, relations, argent, tant que vous ne franchirez pas ces seuils de peur, une ou plusieurs, vous ne pourrez pas absolument jamais passer au niveau supérieur.